Ok les refs, je suis dans la cuisine. Bon, il y a la Michou. La place de la femme, c'est où? C'est dans la cuisine. Bah, je vais dans la cuisine. Bah oui. Les gars, aujourd'hui, c'est moi qui cuisine. Et ça sera sur ma chaîne secondaire probablement. Je vais vous montrer, je vais faire un tuto pâte. Voilà, moi j'ai ma spécialité. Si un jour j'ouvre un restaurant, et bah, c'est quoi? Dans la semaine, je vous fais un tacos. Mais non. Si, je vous fais un tacos, fait par moi. Je te jure. Donc du coup là, il y a intérêt, hein. Ouais, là c'est les pâtes. Donc je vous montre les pâtes façon inox. Valouz notera, ça sera le chef pistolet. Et donc c'est parti. Apolline, elle va m'aider. Pidi, elle va m'aider. Et on part au charbon. Vous êtes prêts? Allez. Allez, c'est parti les gars. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Alors du coup les gars, pour commencer, ça va petite bouse, ouais. Pour commencer, Apolline, t'as sorti le gruyère? Ouais. Ça va être la base de notre plat, ouais. Ultra important. Après. Maintenant il faut la sauce tomate. Attends. Que Pid elle a acheté. Ça va être la deuxième base de notre plat. Maintenant, est-ce que je peux voir les pâtes qu'on a achetées? Là. Elles sont là, ouais. Ok, alors du coup faut faire chauffer l'eau. Là les gars, première étape, faire chauffer l'eau. Tu fais bouillir sa mère. Tu sais moi ce que je mets? Je mets à 10. Plus vite la chauffe mieux c'est. Voilà, on met à 10. Du coup les gars, vous faites comme ça, on met à 10. Apolline elle met à 10. On toutou, c'est bien. Ok, du coup bah là les gars, on attend que l'eau elle boue et on se retrouve juste après la pub. T'aimes bien mes vlogs? J'adore tes vlogs. Est-ce que t'aimes bien mes vidéos, genre tu regardes? Ouais, j'aime bien mes vlogs. Ah ouais, t'aimes bien? Ah c'est carré, hein. Ah ça fait plaisir, c'est carré. Vous aimez bien mes vlogs? Vlogs. Tu sais que ça va vraiment être très très bon. Tu vas me dire, oh mais Inox, mais t'es trop fort en cuisine. Mais t'es trop fort, mais la, place de l'homme c'est où? Dans la cuisine en fait. Mais les gars, je suis pas sexiste ou quoi, hein. C'est juste j'ai le TikTok dans la tête là. Moi je suis sexiste ou pas? Non. T'es bien éduqué. C'est quoi sexiste? Ça veut dire Genre les femmes elles sont là et les hommes ils sont là. C'est ça, genre l'égalité elle est pas. Et toi t'as déjà vu un homme qui est sexiste? Il est bizarre, il y en a plein. Ah ouais, t'as déjà vu un homme sexiste, Pidi? En vrai, pas dans la vraie vie. Ah ouais, jamais? T'as jamais croisé? Bah sur les réseaux, il y en a plein. Ouais, sur les réseaux. Surtout sur Twitter, tu vois. Ouais. Dans la vraie vie? Non, hein, pas dans la vraie vie. Si t'en croises un, tu l'insultes? Tes petits bâtards. Tes petits cons. S'il pense ça, il en vaut tellement pas la peine que je l'accepterais même pas. Magnifique. Ouais. Magnifique. Pouce bleu. Alors, du coup, Pide, j'explique le topo. Ça va être notre sauce. Vous pouvez les déballer. Ça va être notre garniture. Ouais. Et ça, on met tout dans la casserole. Est-ce qu'il y aura assez là? Faut une deuxième casserole? Non, faut une deuxième casserole. Non, mais est-ce qu'il faut mettre ça avant? Parce que tu comprends pas que c'est bon, hein? Non, t'inquiète. Faut mettre que ça. Que ça, only that. Je suis là, mais il n'y en aura pas assez, hein. Si, il y en aura l'argent. On mettra un peu d'eau au pire. Non, mais en fait, tout le monde mange pareil. On va tout mélanger en même temps. Et en même temps, ça, en fait, ça va être de la sauce fromagère. T'as capté? En vrai, ça va être grave. Non, ça va être vraiment bon. Faites-moi confiance. Eh, c'est mon plat spécifique. Non, mais écoutez, vous trouvez pas qu'il y a un autre goût par rapport Ouais, mais ça, c'est du. Et en plus, avec ça va être excellent. C'est du président. Ah non, c'est du vrai. Le président, il a pas de goût. C'est du vrai, hein. Par contre, parle mieux. Elle a dit, c'est de la merde. Le président, il a un goût de plastoc un peu. Ouais, bah, c'est du faux fromage. Pas du vrai fromage. Donc là, Pidi, Apo, on peut voir qu'il y a des petites bulles dans la casserole. Ouais. Donc, on peut mettre les pâtes. C'est sûr? Ouais, on peut mettre en plus, hein. C'est 3 minutes, hein. Faites-moi confiance, encore une fois. Attends, t'as fait ta sauce là? 3 minutes, hein. Écoute-moi, faites-moi confiance. Faites-moi confiance, les filles. Faites-moi confiance. Mettez les pâtes, tout va bien se passer. Ça suffit là si tu mets tout le débat, on aura passé pour tout le monde dans ça? Oui, bah, les filles, faites-moi. Alors en fait, moi je dis ce qu'il faut faire et elle m'aide. Et les gars, il y a même pas assez d'eau. Et à bon pour remuer. Mais oui, mais je vais te dire que en dessous, tu vas prendre ça. C'est catastrophada. C'est catastrophada, les filles. Ah, quoi que, je pense qu'il y aura assez d'eau, non? C'est bon. Ouais, ça va gonfler après. Hein. T'es prêt? Ouais. Non, pas de chrono. Quand t'es cuistot, y'a pas de chrono. À l'œil. C'est à l'œil. Au goût. Ouais. Mais on dirait que vous me prenez pour un fou là. Moi, ce que j'aime bien, c'est al dente. Hein. Al dente? Non, ça va être mes pâtes. Ça va être. Oui, bellissime. Muy calientas. Explique-nous pourquoi tu fais. Parce que c'est drôle. Les pâtes d'Inox. Et quand tu fais vraiment ce move là, on a trop l'impression que tu ressembles à un chétan. Non, non, vraiment un petit début. Dans les schtroumpfs là, il y a un mec. Gargamel. On dirait Gargamel. Ouais, c'est Gargamel ou pas? Dites-le dans les commentaires. Gargamel. Prends soin de ta gamelle. Mais on dirait trop, je suis dépendant en fait. On dirait que je suis dépendant quoi. Bon, la sauce là, qu'est-ce qu'on fait? À peau. Attends. Je vais vous expliquer les filles. Les filles, écoutez-moi bien. Là, c'est un moment important. En fait, là, les pâtes vont chauffer. Ouais. On va les essorer. Et quand on va tout remettre là quand c'est chaud, tu vois. Et là, on va mettre toute la sauce et tout ça. Ah, donc ça sert à rien ça. Ça, si. Parce que papa, on a pas assez de passoire. Donc je mettrai des pâtes là et après là. Mais attends, les gars, il y a trop de papillons là. Il y a beaucoup de papillons, ouais. Et sachant que Dobby, il aime pas la sauce tomate. Bah, il y aura plus pour vous. Donc, c'est-à-dire que Dobby, faut que tu prennes un bol et que tu lui mettes dès que c'est fini. Mais en vrai, c'est pas plus mal qu'il y en a
est-ce que ça prend pas parce que 3 tubes, on est 10. Hein. Non, je pense que tu devrais mettre un tube ou deux. Un tube. Ça va être trop non, un tube et demi. Mais non, mais fais tout. De toute façon, dans tous les cas, ce repas-là, c'était fait pour avec la sauce. Ok, vas-y, je fais tout. Donc, c'est pas grave. De toute façon, moi, je vois l'œil. En fait, un vrai cuisinier, il n'y a pas tant de chronomètre tout ça. Tu vois, là, tu me disais chronomètre. C'est à l'œil et au goût. Comme les mamies. Voilà, c'est ça. Et moi, je connais, j'ai l'expérience maintenant. Tu connais. Donc, je gère le dé. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, tu cuisines bien. Ah, c'est vrai. Et je vais vous faire les tacos là. Moi, je veux que tu me fasses les cordons bleus. Et ben, il y aura des cordons bleus dans tacos. Juste avec Pidi, on va faire les courses. Ouais, c'est vrai. Si Pidi, tu veux faire une vidéo sur ta chaîne, on fait. Fais des tacos pour tout le monde. Vas-y. Moi, je suis trop chaud. Et avec tes parents, t'es comme ça? Non. T'es plus sage. Avec mes parents, ouais, je suis dans ma chambre tout seul en détente quoi. Mais quand je vois des gens, je suis content. En détente. Ta Rolex. En détente. Vodka piscine. En détente. Ça me tente. Connais la musique, Liz Jones. Bah, moi, je connais pas. Ça finit de bouffer. Mais elle mange pas tout le fromage, frérot. Elle est là, elle mange tout le fromage. J'ai trop la dalle. De toute façon là c'est encore 10 minutes, hein, fast-coche. Ah, c'est des 3 minutes loulou. Fais ma confiance au jeu. Non mais faites ma confiance, c'est Jones. Je connais le métier. Vous allez pas me la faire. Ça peut servir de passoire en ça. C'est quoi dessus? Hein, c'était de la mitra. Ça peut servir de passoire. Ouais mais en vrai, c'est du plastique, c'est ce que j'allais dire. C'est du plastique. C'est un jour ce que j'ai fait. Moi je faisais des burgers et j'ai mis le cheddar sur le steak et j'ai mis un dôme en plastique au-dessus de la poêle. Ça a fondu. Gros. Tout le dôme, il est devenu tout visqueux dans la poêle et il s'est collé à la poêle en fait. Ta mère a déjà niqué. Ma mère, non, elle le savait pas, j'ai caché. Bah oui, elle m'aurait défoncé. Mais comment ça t'as caché? Genre comme un enfant, j'ai caché. Daron, tu sais, je fais un cordon bleu, ça sent un tout petit peu dans la maison, je suis mort. Ouais, je comprends. Mais je suis mort, I'm dying. Mort dans le film, un moment. Je pense pas qu'elle va regarder la vidéo, mais. Bah, quoique. Oh, ça roule. On a dit que c'était un vrai cuistot ou pas là? En fait là je t'explique, tu vois là elles sont trop dures encore. Et regarde, c'est tellement lourd qu'elle fait à deux mains. On dirait qu'elle revient. Elle fait une pause, elle fait une game potion. La game potion. Ok, je vais préparer tout ça. Ça faut l'ouvrir. Mais les potes c'est bon là. Non, mais oh, vous allez me laisser faire les jumps. C'est trop ça. Je pense deux tubes c'est bon. Non, c'est comme ça vite. Et là vous prenez la photo. Et là vous écrivez bon toutou. Allez bon toutou. Tu saoules, allez on met dedans. C'est... Mais oh là, mais... Elle a rien compris. Les filles, moi je suis mais trop excitée. Moi je sais rien. Attends, te demande pas de servir quelque chose. Quand je t'appellerai, tu viens si tu veux. Mais reste avec nous, on parle. Là, c'est les pâtes, c'est le plus important. On attend. Tu vois là, elles sont trop dures. Vas-y, goûte là. Pour toi, est-ce que c'est bon? Non, non, c'est bon. Voilà. C'est bon. Pourtant, ça fait plus de 6 minutes là. Ah, si, elles sont bonnes, hein. Faut encore, vraiment 2-3 minutes. 30 secondes, hein. Ouais. 2-3 minutes là. Elles sont bonnes, non? Elles sont dures, en fait. Non, non, faut attendre un petit peu. De toute façon, moi je les vois à l'œil. On met plus de sauce tomate là. Mais Michel, tu veux même pas que. Toi, tu vas me faire chier parce que je vais mettre plein de gruyère et tu vas me dire ah non, mais moi, tu veux ma part sans avec un peu moins de gruyère. Bah, mec, dans le métro. On est pas trop du tout. Des gruyères aux pâtes. Bah oui, c'est le but en fait. Vous allez voir, vous allez dire ah, mais c'est trop bon les pâtes d'inox. Oh, t'as dit ça la dernière fois. Elles sont pas trop bonnes mes pâtes. Elles sont bonnes. Voilà, merci. De gruyère. Oui, mais c'est le but aussi. Bah oui. Mais c'est bon, non? C'est un peu plus de fromage que de pâtes. Non, en vrai, non, oui, du la merde. Moi, pour moi, c'est trop dur. Mais prends. Et c'est bouillant. Mais je vais vous. Mais c'est quoi ça? Mais là, regarde, tu la mets sous l'eau, tu la manges. Tu la mets sous l'eau, tu la manges. Ah, même qu'elles sont bonnes là. Elles sont toutes molles, faut les enlever. Attends, mais pides, attends. Ah, là, elles sont très bonnes. Elles sont toutes molles. Ok, donc les gars, une fois qu'elles sont bien molles, vous touillez une dernière fois. Vous raclez bien. Et là, maintenant, c'est là que tout le tuto va se jouer. Allez, mettez, retroussez vos manches, part à la guerre. Vas-y, okay. Allez, ça va être trop bien. Vas-y, prends la passoire, je la mets, hop. Et tu me brûles pas, hein. Non, je vais faire une... Mets la tête devant. Moi, je kiffe, hein. Genre le chaud, là, comme ouais. Ça. Ok, vous êtes prêts? Ok, les gars, donc déjà, on fait une tournée. J'ai trop peur qu'il me brûle. Voilà, vas-y, ça, tu le mets dans le petit bol qu'on a mis, là. On a tellement, là. Mais j'avoue, on a peut-être fait trop, hein. Mais attends, mais il est tout petit, le bol, t'as pas un autre bol? Pide, c'est ton job, trouver un autre bol. Oh, là. Je faisais chier, bah. Mais si, là, bah, allez. Non mais il est sale là. Voilà. Vas-y, mets celle-là aussi. Tu veux pas le réécouter là? Oh là, non, là c'est bon, hein. Quoi? Dépêche un peu là, j'ai faim. J'aimerais que tu te dépêches. Ah, il y a vraiment beaucoup de pâtes, hein. Attends, mais il y a trop de pâtes, vous êtes des cinglés vous ou quoi? Ils ont fait pour 100 personnes, quoi. Il y a 3 casseroles. Il y en a jamais assez. Il y en aura jamais assez. Le peu assez la sang. Si dans 7 mois j'ai pas percé, je me remets à vendre de l'assé. Il y a vraiment beaucoup. Salsa, oh. Vas-y, un pot, encore. C'est hyper salsa, hein. Bah attends, mais y'a... Oh, la salsa. Bah ça, c'est pour ceux qui veulent pas. My salsa, my salsa. Un pot, tu vas touiller. Je vais mettre la sauce et tu vas mélanger en continu. En même temps. Voilà. Donc,
Déjà c'est le début. Tu mélanges. Et quand t'es tout seul, comment tu fais pour touiller? Bah je pose la cuillère, je fais. T'as vu, un, c'est pas assez. Hein. T'inquiète. Et là, moi je commence à mettre du gruyère. Parce que c'est chaud et ça va fondre tout seul. Ah, vas-y. Oh ouais. Touille. J'en mets plus. On met de la sauce, hein. Ouais, t'inquiète. Voilà, en même temps. Vraiment en même temps parce que ça refroidit sinon. Ça donne envie ou pas pour l'instant? Quoi? Ouais, c'est mieux. Après, je remets un peu de gruyère. Je vide mon. Putain, elle m'en met partout, la conne. C'est nickel comme tout. Ouais, quoi. C'est top. Mais en vrai, ça, vraiment, ça donne envie, hein. Tu mets un peu de sel et du poivre. Hein? Un peu de sel et de poivre. Non. C'est les gens, ils rajoutent s'ils veulent, tu vois. Ouais, c'est vrai, ça. Et c'est les meilleures plats, ça. Non, mais elles sont vraiment bonnes, tu vas voir. Ok, vas-y, prends une fourchette et goûte. À table. Mettez la... Michou, mets la table. Y'a la... à table. Ouais. Ouais, inoxtable, on est ensemble. C'est bon. Alors attention. C'est bon, ah ouais. 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 C'est bon, on va rajouter du poivre. Ah bah ça, tu mettras dans ton ah oui, assiette. Ça, chacun fait comme il veut. Ouais, chacun. Y'a pas tout le monde qui aime le poivre. Voilà, c'est ça, ouais. Y'a pas tout le monde qui aime le poivre. Moi, j'aime pas le sel et j'ai pas boire. Il faut arrêter de penser qu'à ça, frérot, t'as fait des pâtes tout seul. Et bah, ouais, et bah, t'aurais dû mettre moins de gruyère et chacun aurait mis du gruyère. Mais gros, là, tu gères, hein. Regarde, là, tu gères tes pâtes. Bon, j'arrête de faire le mec chiant. En vrai, elles sont très bonnes, ces pâtes. Eh, Louze, est-ce que ça donne envie? Aïeusement. C'est bah, pomme, c'est... En vrai, si. Fait des... Ouais, c'est des... Si, ça donne. Ouais, mais... ouais, mais le fromage, il est bien. Le fromage, tu vas voir, il est vraiment. Bon, bah, les gars, voilà mes pâtes. A vous de me dire si elles ont l'air trop bonnes ou pas. Au moins, je vous ai fait un tuto. Elles ont l'air carrées. Ouzi, elles donnent envie, mes pâtes ou pas? Ah, franchement, ouais. Vas-y, j'ai hâte d'avoir vos ressentis. Et moi, je préfère le parmesan. Ah ouais? Le parmesan. Ah ouais, le parmesan, c'est. Ah ouais. Bien le parmesan? J'aime pas trop. Ah ouais? Non. Parmesan. Je trouve ça un goût un peu. Dans les commentaires, team parmesan ou team gruyère? Ou team parmeglan? Bon, allez, vas-y, mangez tant que c'est chaud là. Vas-y, goûtez. Eh, eh, goûte. Vas-y, vas-y, goûte, goûte maintenant. Je veux avoir votre réaction. Il sérieux, toi? Ouais, il faut qu'il nous serve. Fidèle spécial. Bon, les donne. T'as les grandes têtes pour les grands bonhommes. Vas-y. Bousy, tu goûtes, tu me donnes ta note. Putain, ils sont stylés les assiettes en vrai. Tiens, je nous donne. Ils ont un vrai flow les assiettes. C'est ouais, c'est le gros sujet. Tiens. Suspense. Merci Kiki. 8,80. Ouh. Attention, oh, je goûte. Oh, sur 10, c'est bien. Attention, je goûte. Au niveau de la texture, ça a l'air d'être bon. Non, la cuisson, elle est je mets une louche et puis après, parce que j'ai peur qu'il n'y en a pas assez en fait. J'ai un rhume, je sens rien. Ah ouais, c'est vrai? Non, c'est, non, franchement, c'est bon. C'est bon? Ouais, franchement, la cuisson parfaite. Combien sur 10? J'irais 1. T'es vraiment un chiant, toi. Non, en vrai, tu valides, wesh. Ça, c'est les pâtes d'inox. Pourquoi t'appuies sur un bouton depuis tout à l'heure? Non, j'appuie pas, c'est... je suis prêt à couper ou avancer, tu vois. Ah. Non, franchement, j'ai Inox, j'ai bien joué. 1 sur 10. Moi, bah, ça fait plaisir. Moi, je mets un 9. Bah, 1. Mais mec, t'es un chien. Max. Tu veux la pas goûter? La regarde. 9. La note d'impôt plus 10, ça fait 10. Ouais. Et Dom, tu veux pas goûter? On est combien? Bah, lui, il mange des papiers ce soir. Maintenant, je sais quoi ça va. Et puis, il goûte. On est combien au total? Tu dis goûte? Bah, 10. Tu goûtes, Pid? Oui, je vais goûter. Non, 12. Mais attends, mais Val, on a pas eu ta note? Bah avec tes... 1 sur 10. Mais t'es un schlagousse gros. Les mecs mais, qui te filment ton pipi. Mais quoi, j'ai le droit de dire la vérité? Je t'ai pas. Il y a trop de seum. J'ai trop de seum. C'est un 10 sur 10 mon ami. Oh. Bravo. Bravo pour le 1 sur 10 mon gars. Putain. 1 sur 10. Oh, il est un chien. Il veut me taper lui. Ouais. Bien vu mon ref. Tiens 10. Bien vu le ref. 10 mon gars. C'est pas si cool, Pete. Allez, je goûte. Suspense. Attends, j'en prends plus. Galère, la Louise. Ouais, c'est beau. Désolé. T'aimes bien? J'aime bien. Il manque du sel et du poivre, ouais. Et que ce soit un tout petit peu plus chaud. Ok. Je mettrai 7 et 9. Oh, c'est bien. En vrai, j'ai une bonne attente. T'as vraiment aimé, moi j'ai mis 9. Bah, c'est des bonnes pâtes. C'est carré. Bon, bah, les gars, vous testerez la recette et vous me direz sur Insta ou quoi si vous avez kiffé dans les commentaires. Des bisous tout le monde, vous êtes les boss, ça fait plaisir. Bex, tout le monde.